1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un ailé qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Je voudrais parler de quelque chose d'assez inconnu. Quelque chose d'assez particulier. Un secret à découvrir. C'est le mot amour. Est-ce qu'il y a secret pour quelqu'un? Depuis notre petite enfance, notre tendre enfance, nous entendons parler de l'amour. Jusqu'à ce que nous nous marions. Et nous parlons de l'amour jusqu'à ce que nous retournions à la terre. La terre, nous parlons d'amour. Parce que c'est un besoin inhérent à toute la création humaine. Tout le monde veut être aimé. Personne ne veut être haï. Quelqu'un disait, et c'est Platon qui disait, tout amour doit être simplement un tremplin pour l'amour de Dieu. Cela était vrai pour moi, et loué soit son nom pour sa grande bonté et miséricorde. Platon n'était pas un chrétien, il était un croyant. Quelqu'un d'autre a dit, la haine ne peut pas détruire la haine, mais l'amour peut le faire. Ce n'est pas la chose tendre et négative qui a porté et mal représenté l'émotion, mais c'est l'amour qui supporte tout et cependant est tendre. L'amour qui accepte la responsabilité, l'amour qui va de l'avant, l'amour qui souffre, l'amour qui saigne et meurt pour une grande cause, mais pour être ressuscité. L'origine de l'amour, quand nous parlons de l'amour, d'où vient cette notion? D'où vient cette émotion? Eh bien, l'amour vient de Dieu, car il est, de par son caractère, de par son essence même, amour. Parmi les attributs de Dieu, le premier, le plus grand, est l'amour. C'est pourquoi Jean a pu dire, dans 1 Jean 4, 8, « Dieu est amour, et la grâce et la miséricorde seraient inexistantes sans l'amour. » On ne connaîtrait pas la grâce, on ne connaîtrait pas la miséricorde si Dieu n'était pas amour. Il est amour et il a démontré cet amour-là dans le choix et le traitement d'Israël. Jérémie 31, verset 3 nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Et dans le langage théologique, nous parlons de Hesed Yahweh, c'est-à-dire pour les Anglais, the everlasting love of God. The everlasting love of God. L'amour éternel de Dieu qui ne change pas, inconditionnel, parce qu'il s'est engagé lui-même à aimer. Jean dira, eh bien, voyez de quel amour le Père nous a aimés, qu'il nous appelle ses enfants. Nous qui étions indignes, nous qui étions des étrangers, des gens du dehors, eh bien, Dieu nous a appelé ses enfants. Et Jean tombe en extase en pensant à l'amour de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Ésaïe 54, verset 10 nous dit, une mère oublierait son enfant. Les montagnes chancelleraient,
mais mon amour envers vous ne change jamais. Alléluia. Son amour, cet amour inconditionnel, éternel, ne change pas. Jésus-Christ est l'expression de cet amour qui se sacrifie. Et c'est pourquoi Paul parle de l'amour de Christ qui surpasse toute compréhension. Et la Bible nous dit que Dieu a aimé, que Jésus-Christ a aimé son Église jusqu'à se donner pour elle. Et quelque part, dans les évangiles, il est dit, Jésus ayant aimé les siens, mit le comble à son amour. Alléluia. Amen. En lavant les pieds de ses disciples. Le Saint-Esprit rend réel l'amour de Dieu en nous. Le fruit que la présence du Saint-Esprit produit en nous, c'est l'amour. Dans Galates, si vous lisez 5:22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le reste là, c'est une explication. C'est ce qui découle de l'amour. Sinon, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le reste là est inclus dans l'amour. Donc le Saint-Esprit est amour. Revenons à notre texte. Le verset 1 et 3 peuvent s'intituler, c'est moi qui le dis, l'onction détruit, l'amour seul construit. L'onction détruit. Parce que si nous nous basons seulement sur l'onction, si nous nous basons seulement sur tout ce que nous pouvons opérer comme miracle, cela peut nous détruire si nous n'avons pas l'amour comme fondement, comme base, comme tremplin de nos actions. C'est pourquoi Paul a dit, quand je parlerai les langues des hommes, ça c'est sur le plan spirituel, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Et ici, le mot qui est employé, c'est la foi qui rend les choses impossibles possibles. Même quand j'aurai cette foi-là, si je n'ai pas l'amour, c'est l'amour qui est traduit, c'est le mot agapé en grec. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis absolument rien. Ce n'est pas l'onction qui fait de nous des enfants de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu en nous qui fait de nous des enfants de Dieu. La vie chrétienne ne se mesure pas à la capacité à opérer des miracles, mais à la capacité à aimer. D'abord, aimer Dieu. Car il est dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ensuite ton prochain comme toi-même. Pas plus que toi-même, mais au moins égal à toi-même. Nous devons aimer Dieu. Et je disais à quelqu'un, actuellement notre problème, c'est que nous avons passé de l'athéisme littéraire à l'athéisme pratique. L'athéisme littéraire dit « Dieu n'existe pas ». L'athéisme philosophique dit « Dieu n'existe pas ». C'est le cas de Voltaire, c'est le cas de Calmus et de tant d'autres. Mais l'athéisme pratique, lui, dit « Dieu existe, mais vit comme si Dieu n'existait pas ». Et la plupart, en tout cas aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent, non pas seulement des chrétiens, mais aussi des pasteurs qui vivent comme si Dieu n'existait pas. Ils prononcent Dieu, ils parlent de Dieu, mais ils ont perdu la crainte, ils ont renié ce qui en fait la force. On n'aime plus Dieu. On se sert simplement du nom de Dieu parce que, eh bien, financièrement, c'est rentable. Quelqu'un m'a dit, si tu dis la parole de Dieu dit, ça ne nourrit pas son homme. Mais si tu dis le Seigneur a dit, alors là, tu deviens riche. Parce qu'on se sert de Dieu au lieu de servir Dieu. On n'aime pas Dieu. On aime seulement ce qu'on peut retirer
de Dieu. Et des fois, nous sommes à l'église, ben, ce n'est pas par amour pour Dieu, mais c'est pour avoir la réponse à nos problèmes. Je viens à l'église pour être guéri. Je viens à l'église pour être secouru dans mes besoins. Je viens à l'église pour trouver de l'emploi. Je viens à l'église parce que ça peut améliorer ma condition. Mais est-ce que je viens à l'église parce que j'aime Dieu? Est-ce que vraiment c'est l'amour de Dieu qui nous pousse? Comme disait David, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Voilà quelqu'un qui aime Dieu et qui exprime pratiquement son amour pour Dieu. Alors, dans les versets suivants, l'apôtre va tenter de définir l'amour par quelques éléments. L'agapé, c'est celui qui endure les choses. Il dit, la charité est patiente. C'est-à-dire, c'est celui qui a cette patience, qui endure, qui attend le temps de Dieu, qui ne se presse pas comme Saül. Quand Samuel devait venir, il a dit, Samuel, tard à venir, donc je vais prendre les choses en main. Il n'était pas patient, il n'était pas habité par l'amour de Dieu, ni l'amour pour les choses de Dieu. Il n'était pas patient. Alors qu'ici, le mot veut dire être gentil, plein de grâce, être disposé au service, et puis celui qui attend le temps de Dieu. Ensuite, il dira, l'amour, elle est pleine de bonté. Pleine de bonté, encore, ça veut dire celui qui est disponible pour que Dieu puisse se servir de lui. Et celui qui est prêt à aller vers les autres avec quelque chose de la part de Dieu. Paul continuera en disant, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. C'est le mot zéleux qui est employé. C'est-à-dire, c'est celui qui brûle d'envie. C'est celui qui brûle de jalousie. La charité ou l'amour, celui qui est plein d'amour, ne brûle pas d'envie. Il ne brûle pas de jalousie. Vous savez, le mal, l'un des mots qui frappe notre Église aujourd'hui, c'est la jalousie. Parce qu'on veut, on pratique la politique de l'alignement et du nivellement. Et on coupe toutes les têtes qui dépassent. Comme on dit en France, on coupe toutes les têtes qui dépassent. Ce n'est pas la France seulement, même dans nos églises, on coupe toutes les têtes qui dépassent. Parce qu'on veut que tout le monde, que l'on couvre et que personne ne dépasse l'autre. Non, Dieu nous a créés différents, avec des dons différents. Et normalement, on devait se dépasser pour se compléter. Si on est la même chose, qui va compléter qui? Il ne faut pas être... L'amour, celui qui aime, n'est pas jaloux. Il ne meurt pas d'envie. Parce que l'envie, ce n'est pas seulement le fait de posséder ce que mon frère ou ma soeur a, c'est le fait aussi de le déposséder de ce qu'il a. Non seulement je ne veux pas qu'il ait, mais je vais le tirer ce qu'il a, le déposséder. On dit que, eh bien, les grands argentiers ne veulent pas combattre la misère parce qu'il faut des misérables, des pauvres, pour que l'argent ait une valeur. Vous savez que sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il y a des gens qui veulent que les autres soient pauvres, que les autres n'émergent pas. Comme ça, leur don sera visible. Et tout le monde va accourir vers eux. Ce n'est pas le principe biblique. La Bible veut que nous soyons tous et, comment dire, développés, évolués, de manière à ce que nous soyons, comme je l'ai dit, complémentaires les uns les autres, afin de construire le royaume de Dieu. Celui qui se vante ou parle beaucoup, mais agit peu. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Et le mot qui est employé, c'est le mot perezutai, qui veut dire celui qui se vante, qui celui qui parle beaucoup, mais qui agit peu. Il parle beaucoup. Comme on dit,
rien. Le sot ne sait pas ce qu'il dit. Et le sage ne dit pas ce qu'il sait. Et les gens qui savent peu parlent beaucoup. Et les gens qui savent beaucoup parlent peu. C'est parce qu'on est vite. Et on fait du bruit. Les tonneaux vides font du bruit. Celui qui joue au fanfaron et ne fait rien de ne s'appelle point d'orgueil, c'est celui qui joue au fanfaron. Et le mot suivant, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son propre intérêt, eh bien, à ce que mon âme se conduit d'une façon indécente, d'une façon honteuse, ou par-dessus de la taille, irriter, pousser quelqu'un à la colère. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Logistai qui veut dire celui qui n'enregistre pas le mal, l'amour ne conserve aucun ressentiment et porte aucune racine d'amertume. Sankarei, celui qui se joint à la joie des autres, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Ça veut dire celui qui se joint à la joie des autres. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais aujourd'hui, on a tendance à renverser la chose. Réjouissez-vous avec ceux qui pleurent et pleurez avec ceux qui se réjouissent. Parce que l'amour a fait place à la haine. On n'aime plus. On prétend aimer. Mais dans son cœur, on brûle d'envie. C'est un avaré une fois. Il y a deux dames qui se sont querellées. Et puis, celle qui parlait beaucoup, qui agressait, elle était petite. Et celle qu'on agressait était grande, forte. Donc, elles sont venues, mais comme la grande ne voulait pas avoir des problèmes avec l'école, elles sont allées quand même voir la responsable des femmes, qui elle aussi était vraiment. Elle était d'une certaine taille et d'un certain poids. Et puis, la responsable dit à la grande là, il faut lui pardonner. Il faut lui pardonner. Mais si c'était moi là, oh, cette petite là, je l'ai la terrassée. Alors, l'amour là a manqué. Elle ne sait pas, elle n'a pas pu quand même partager, équilibrer les choses. Elle a laissé sa propre personnalité apparaître. Si c'était elle, elle aurait arrangé la chose autrement. Et personne n'aurait entendu. C'est celui qui couvre, qui protège. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est l'amour qui couvre. Qui couvre le frère, qui couvre la sœur, qui protège. Quelles sont les implications de l'amour? C'est par l'amour que le monde découvre que nous sommes enfants de Dieu. Jésus l'a dit dans Jean. Aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes enfants. Il n'a pas dit, opérez des miracles. Afin que le monde sache que vous êtes mes enfants. Il n'a pas dit parler en langue. Afin que le monde sache que vous êtes mes enfants. Mais il a dit, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache que vous êtes mes enfants. Je l'ai dit encore au IIIe siècle. Les gens se convertissaient à cause de l'amour fraternel qui existait entre les chrétiens et non par les miracles. Parce que bizarrement, à cette période, il y avait aussi des miracles. Il y avait des païens qui opéraient des miracles. Mais ce que les non-convertis ont vu et qui les a attirés, c'est l'amour fraternel qui régnait parmi les chrétiens.
La Bible nous dit qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas le frère qu'on voit. Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas si on ne voit pas l'incarnation de Dieu sur cette terre? Parce que nous sommes l'incarnation de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Celui qui n'a pas d'amour n'a pas la vie. Celui qui n'aime pas, il n'a pas la vie. C'est dans l'amour que nous bénéficions de toutes les promesses de Dieu. Il y a une relation entre amour et les autres attributs de Dieu. Amour rime avec pardon. Celui qui aime pardonne, parce que Dieu nous a pardonné par amour. Le pardon est très difficile. Mais comme on dit, le pardon ne guérit pas le passé, mais il élargit l'avenir. Et celui qui manque de pardon, c'est comme quelqu'un qui est dans une voiture avec les freins à main en marche. Il avance difficilement. Il fatigue le moteur. C'est pourquoi la Bible nous recommande de pardonner. Par amour, pardonnons. Si nous voulons être pardonnés, pardonnons. Et si nous voulons être aimés, aimons. Eh bien, l'amour rime aussi avec vérité. La Bible nous dit de nous dire la vérité dans l'amour. Et c'est Voltaire qui disait, aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Parce que nous sommes tous enclins à l'erreur. Qui peut dire que depuis qu'il est né, il n'a jamais commis un péché quelconque. Les enfants qui se sont réunis, ils avaient un chien, un voisin qui a déménagé, qui a laissé le chien, et chacun voulait l'avoir. Et comme test, ils ont dit, eh bien, celui qui va mentir le plus, qui va dire le plus gros mensonge, c'est à lui qu'on va donner le chien. Alors chacun a commencé à mentir, et puis arrive un pasteur. C'est le pasteur. Il arrive, et puis il commence à sermonner les enfants. Il dit, mais vous ne savez pas que le mensonge, ce n'est pas bien. Moi, je rends grâce à Dieu de ce que, depuis mon enfance, je n'ai jamais menti. Les enfants ont observé une minute de silence. Et puis, le représentant a dit aux autres là, donnons-lui le chien. Parce que c'est le plus gros des menteurs parmi nous. La Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons jamais péché, nous faisons Dieu menteur. C'est pourquoi pardon et vérité, eh bien, rime avec amour. Aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Je conclurai en disant que Dieu, c'est la proclamation de l'amour. Jésus-Christ, c'est la démonstration de cet amour. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation de l'amour. Et l'Église est la plénitude et l'application de cet amour. Je sais que nous sommes une petite communauté. Pour le moment, ça va. On ne se rentre pas dedans. Hein? On n'est pas le nom. Hein, madame? En fait, on est une petite communauté, pas le nom. Une petite communauté, pas le nom. Non, pas par la vision. On ne se rentre pas dedans. Mais je veux dire, si nous ne faisons pas attention, bientôt, on va dire un tel a fait ça, un tel a dit ça, et ça sera, on va semer la graine. La graine de la haine au lieu de la graine de l'amour. Il ne faut pas aimer les gens tels que nous voulons qu'ils soient. Il faut les aimer tels qu'ils sont et prier pour qu'ils soient transformés. Parce que Dieu nous aime tels que nous sommes, pas tels qu'il nous veut être. La perfection, c'est dans le ciel. C'est pas ici-bas. Chacun est assis avec son défaut de caractère. Mais la
La Bible nous invite à nous supporter les uns les autres dans l'amour de Christ. Dans l'amour de Christ. S'il y a quelqu'un qui est parfait, alors qu'il quitte cette église-là, parce que vous avez affaire à des gens qui ne sont pas parfaits. Mais si vous n'êtes pas parfait, si vous trouvez quelqu'un qui n'est pas parfait, il ne faut pas, eh bien, l'écarter, mais au contraire, il faut l'aimer tel qu'il est. Cherchons les bons côtés des gens pour les aimer, et non les mauvais côtés. Les mauvais côtés, ça c'est apparent. Ça se présente à nous. Mais le bon côté, c'est à nous à chercher. Parce que dans chaque être humain, il y a un bon côté. Comme il y a un mauvais côté. Personne n'est complètement bon. Personne n'est complètement mauvais. C'est pourquoi, si nous cherchons, nous allons trouver un point d'ancrage pour aimer comme Dieu nous a aimés. Que le Seigneur nous bénisse.
Oh,